Donc là, vous aviez quel rôle, vous, les filles? Alors, on se prépare les réseaux sociaux. Elles s'appellent Méline, Lilou et sont collégiennes à Saint-Jean-de-Mont. Ces jeunes filles sont en atelier d'initiation au métier du numérique. 33 volontaires pour tordre le cou aux idées reçues. Les filles ont les mêmes droits que les garçons? Oui, les filles ont les mêmes droits que les garçons. Elles ont le droit de faire le même travail que les garçons, et oui. Est-ce qu'il y a des métiers sur lesquels vous vous reconnaissez? On dit souvent que les femmes ne peuvent pas faire quelques métiers que les hommes font, alors que ça peut être oui ou pour certains non. Les femmes n'occupent que 25% des emplois dans le secteur du numérique. Une aberration pour celles qui représentent plus de la moitié de la population mondiale. Pourtant, la complémentarité est un atout essentiel. Il n'y a pas des aspects du numérique où les hommes sont plus efficaces que les femmes, c'est juste qu'il y a moins de femmes. Donc voilà. Mais je pense qu'à l'avenir, on finira par accueillir plus de femmes dans ce domaine-là et qui réussiront les missions aussi bien que les hommes. Les filières scientifiques sont principalement masculines. Les jeunes filles, aujourd'hui encore, n'osent pas candidater. Ce problème-là, il faut qu'on le travaille même dès le collège, même avant. Il faut absolument que les filles puissent se sentir légitimes, aller sur ces métiers, postuler. Il faut oser, et puis qu'on peut avoir plusieurs parcours de vie. Voilà. Moi, j'étais professeure d'histoire-géographie, j'ai travaillé après au rectorat de Nantes dans le numérique, et aujourd'hui, je suis chef de projet collège numérique au département. Donc, on peut très bien travailler dans le numérique sans avoir fait d'études de mathématiques et être plutôt littéraire. Le secteur est en pleine expansion. Il y a plusieurs milliers de postes à pourvoir en France. Mais la parité est valable dans les deux sens. De futurs projets sont prévus, cette fois dans les métiers liés aux soins et à la personne. La sensibilisation s'adressera alors aux garçons.